Pierre Palmade, catastrophé, sa réaction à la mort du bébé de la femme enceinte. Plus rien ne sera jamais comme avant pour Pierre Palmade. Placé en détention provisoire dans le cadre du grave accident de la route du 10 février, l'humoriste a confié aux enquêteurs à être « complètement catastrophé » de la mort du bébé. Voilà plusieurs semaines maintenant que l'affaire Pierre Palmade fait la une des médias et déchaîne les Français. Le vendredi 10 février 2023, l'humoriste a causé un grave accident sur une départementale de Seine-et-Marne. Deux passagers se trouvaient à bord du véhicule et ont pris la fuite pour nettoyer le domicile de Pierre Palmade, comme l'a dévoilé Voici. En effet, l'ancien acolyte de Muriel Robin était sous l'emprise de la cocaïne au moment du grave accident qui a fait 3 blessés. Pour rappel, un petit garçon de 6 ans, son père et la belle-sœur de ce dernier ont été touchés pendant la collision. Le père de famille souffre de multiples fractures et aura probablement du mal à remarcher. Son fils a été opéré à de nombreuses reprises et serait défiguré. Il va y avoir un très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale, a annoncé Mourad Batik, l'avocat de la famille des blessés sur BFM TV. Mais le drame ne s'arrête pas là. Mila, la belle-sœur du conducteur, était enceinte de 6 mois et demi au moment de l'accident. L'enfant, une petite fille, devait naître au mois de mai. Comme l'a annoncé BFM TV, les résultats de l'autopsie effectuée sur le fœtus ont révélé qu'il serait né, viable et vivant. Le bébé est né à 22h18 par césarienne le soir de l'accident et sa mort a été déclarée à 22h51. Des analyses complémentaires ont été ordonnées par le parquet de Melun, notamment un examen anatomopathologique, et une expertise de synthèse. Pierre Palmade prie, pour que les autres personnes restent vivantes. Le lundi 28 février, la Cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade dans le cadre de cet accident. Pour l'instant, l'humoriste est toujours hospitalisé à la suite de son AVC survenu il y a quelques jours. La justice attend que les médecins donnent le feu vert pour transférer l'homme de théâtre à la prison de Fresnes. Interrogé par les enquêteurs, Pierre Palmade a affirmé vouloir « en finir avec les drogues », comme cité par Le Parisien. Il a également fait son mea culpa envers les victimes. Je suis complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille que j'ai percutée, je suis obsédé par ça, le bébé qui est mort. Je prie pour que les autres personnes restent vivantes, a-t-il, spontanément déclaré, au magistrat instructeur. Une affaire loin d'être terminée.